Jodi a se 7 juye. Bienvenue na fèt la bel. Gen 3 gros evènman ki kapte atansyon nou nan mouman sa. Pasaj siklon Elsa ki pa fè trop dega men ki kontinye nan Etazini ya. Building Champlain ki te tombe semen pase na Miami Beach, na Floride, kote gen deja 46 moun ki mouri, ak yon santen lot ki disparèt. E, troazèman, asasina prezidant Haïtien Jovenel Moïse. Nou souwete tout moun ki touche pa dey sa yo kondoleyans. Demain, si bon Dieu vle, nap gen yon video spesyal sou Haiti. Nap toujou panse avèk Marcel Pagnol, si peche te kon fè mal, nou tout nou tap vin sè. Nap reflechi avèk sen sa yo, Ralph Milner ak Per Dickinson, Bienheureuse Maria Romero, Saint-Marc de Chine, Saint-Maul-Ruyan, ak yon group lot saint anko. Nap reflechi sou sa ki rele la révolte des boxeurs. Nan ki tan konen ki jan sa te pase. A nou kontinue. Mais moi, on est où? Quel temps va se faire?
Quand on a parlé de Ralph Milner et Paddy Dickinson, Ralph Milner était un laïc catholique dans le pays Angleterre dans le 16e siècle. Il était mort martyr et il était béatifié. Les patrons, il était illettré. Il était sorti dans l'église anglicane pour être converti dans l'église catholique. Il était arrêté, mais il était fini faire première communion. Il était arrêté et mené en prison parce qu'il trouvait que c'était une insulte pour les gens qui étaient en religion protestante pour entrer dans la religion catholique. Il était jeté en prison. Comme il était un bon comportement, il était largué sous caution. Et il était même confié la clé prison. Il était profité, fait père catholique entrer dans la prison pour bailler prisonnier sacrément. Il y a un père Thomas Stanley et père Dickinson qui était confié ça. Malheureusement, il était Campbell ensemble avec Père Dickinson et mettait tous deux dans la prison encore. Dans le jugement, le juge a dit Milner pour assister au moins une fois dans l'église protestante et comme ça, le pape condamné à mort. Milner pas d'accord. Il était plutôt mort. Qu'il y a pile l'autre effort qui était fait pour forcer le renoncer à la foi catholique. Mais il était qu'un peu ferme. L'État pour monter sous échafaud, il était présenté petit Léo devant lui pour être capable de changer l'idée. Il était plutôt bâti mon dernier bénédiction. Li. Et c'est comme ça que tous les deux étaient martyrisés. Quand elle a parlé de bienheureuse Maria Romero Meneses, je te bats plus l'autre notre est la femme de Jean Bosco, la femme de Marie Auxiliatrice, ou bien apôtre social du Costa Rica. Elle était faite 13 janvier 1902 dans Nicaragua et parenthèse la ville était fermée 7 juillet 1977. Toujours dans le Nicaragua, mais il était mort d'une crise cardiaque. Maria Romero Meneses était faite dans une famille riche, famille grande aigle. Papa était ministre dans le gouvernement. Il était une chance de jouer une éducation solide. KMS Salésienne, il était un pianiste avec un violoniste et une dessinatrice. Maria était tombée malade à 12 ans. Il était gagné un rhumatisme enragé. Il était paralysé pendant 6 mois et même qu'elle était affectée. C'est grâce à l'intermédiaire Notre-Dame Marie Auxiliatrice, les pensées qui étaient intervenues et puis elle était guérie. Comme ça, était, ouais, ça, c'était un signe de vocation. Le 8 décembre, il était entré dans la communauté Filles de Marie de l'association mariale. Plus tard, en 1920, il était entré dans la communauté Les Filles de Marie Auxiliatrice, dans le pays Nicaragua. Il était fait vœu perpétuel jusqu'au 6 janvier 1929. Il était transféré à Costa Rica en 1931, côté il était enseigné musique, dessin, dactylographie et catéchisme. Maria était dans l'esprit d'entrepreneur. Il était développé un système collecte de fonds qui j'ai pour me ramasser l'argent. Donc, ça va pas dire prêcher l'évangile pour prêcher la pauvreté. Il y a un esprit d'investissement, un esprit d'entrepreneur. Il faut un travail pour faire l'argent. Ensuite, il y a enseigné qui j'ai un monde qui gagne l'argent capable d'aider les gens qui pas gagne l'argent. Il y a mis une série Centre Loisirs en 1945. Et l'autre centre distribution manger en 1953. Il était créé l'école pour mesdames et une clinique. Côté médecin, il a travaillé gratis et il a pris
soins gratis. En 1973, il était construit sept maisons bonne qualité qui s'étaient commencées par un village qui est le Sot Ossé pour familles qui démunies. C'est façon ça, il était prêché l'évangile là à travers les œuvres sociales. Le pape Jean-Paul II était béatifié le jour 14 avril 2002. Quand on a parlé de Saint Marcus de Chine, alors Saint Marc de Chine. Saint Marc de Chine était un jeune qui était marié en Chine. Il était venu docteur en médecine. Saint Marc de Chine était venu gagner un problème addiction avec l'opium. Donc, t'as coulé ta boîte à fia tout ça. L'église a été excommuniée. Pourtant, il était passé 30 ans à persévérer dans l'église là. Il n'a pas jamais perdu la foi ni découragé jusqu'à ce qu'elle devienne changée et désintoxiquée pour être capable de lever la grâce, pour être capable de reprendre la communion. Saint Marc de Chine est mort bâti dans ce qui relève rébellion des boxeurs. N'a rien pour nous parler de rébellion des boxeurs. Pita. N'a continué avec Saint Moll Ruyan. Moll Ruyan était fondé à Bay Tamalk en 769 dans le pays Ilad et il était devenu premier abbé. Angus le Chaldée Tevin a travaillé dans le monastère comme un monde ordinaire. Il était caché d'identité pendant sa vie et réalisé travail maintenance. Laver chaudière, balai, etc. Mais il était venu découvrir l'identité comme un monde qui est important, un personnage. C'est Moll Ruyan qui voulait chercher tout de suite et il était bâillé en place spéciale dans la société. Moll Ruyan te mettait avec Saint Angus de le Chaldée pour lui rédiger ce qui relève Règle Célidée D. Règle Célidée D, c'est une petite série qui gagne règle pour régler la vie Célidée D. Qui j'a pour yo la prière, qui j'a pour yo prêcher, qui j'a pour yo faire abstinence, qui j'a pour yo parler, qui j'a pour yo confesser, qui j'a pour yo communier, qui j'a pour yo purifier yo, qui j'a pour yo faire jeûne, qui j'a pour yo prendre des tentes, qui j'a pour yo dormir, qui j'a pour yo célébrer la messe, etc. Gagne un exemplaire de document ça dans plusieurs bibliothèques, spécialement dans Royal Irish Academy. D'après Zevli, dans Annales de Ulster, il y aurait le Moll Ruyan, évêque et soldat du Christ, et il pensait qu'il était mort en 791. Dans Annales des quatre masters, de Four Masters, il a enregistré comme évêque tout, il a enregistré comme évêque tout, mais il pensait qu'il était mort en 787. Donc, nous parlons de Annals de Ulster et Annals of the Four Masters. C'est des journaux, des gros journaux, des gros anciens almanachs qui étaient qu'on a enregistré tout événement chronologiquement dans le pays d'Irlande. Nous avons parlé de ça une autre fois. Et pour finir, nous avons parlé de, on s'est démarré de Durres, monde qui était mort, un groupe monde qui était mort dans le pays d'Albanie. C'est un groupe sept chrétiens italiens qui t'a sauvé, qui t'a payé en bas persécution empereur Adrien. Là, ils arrivaient dans la Macédoine, c'est comme si ils t'ont couru la pluie, ils étaient tombés dans la rivière. Ils étaient joints, ils ont messier, ils ont chrétien, qui relait Astius, qui était attaché sur une croix, couvert avec sirop miel, étalé dans le soleil, aptan pour insectes. Vin manjel. Groupe chrétien italien yo te
montrer yon gen sympathie pour Astius qui t'a pas le mourir mati. Yo te accusé alors comme chrétien tout. Yo te mette la patrouille, arrêté yo, enchaîné yo et jeté yo dans la mer. Mati de Dourès yo, en plus de cet Astius, c'était Germanius et Sius, Lucie, Papius, Peregrinus, Pompeius et Saturnus. C'était la géographie de plusieurs saints. Donc, on a réfléchi dans un petit moment sur la révolte des boxeurs. À nous réfléchir, la révolte des boxeurs. Rébellion boxeur ou bien révolte boxeur ou bien mouvement d'union justice à Concorde ou bien la guerre boxeur, c'était un soulèvement d'un groupe qui terrelait les points de la justice et de la Concorde. Le groupe ça a été fait en Chine. Entre 2 novembre 1899 et 7 septembre 1901. Groupe Les Points A était une société secrète qui a gagné comme symbole un point fermé, d'accord, pour un monde qui parle boxer. C'est pour ça que y a le mouvement rébellion. Rébellion boxer. Pour résultat final là, c'est groupe Alliation qui t'a remporté la victoire sous dynastie King na qui t'a perdu Shelbel. Non pas le que ça s'est passé. Mouvement ça a été fait contre une série de réformes qui t'a fait dans le pays la Chine contre colons étrangers et contre dynastie féodale de Yotele King. L'impératrice Cixi a pratiquement déclenché l'opération. Il y a 8 pays qui ont formé groupe alliance là contre la Chine. Pays ça c'était Autriche-Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Révolte là te souke dynastie King là en 1901, mais c'est en 1912 l'idée réussit tomber pour République de Chine te capable créer. Religieux jésuites européens yo ak portugais qui te sorti dans Macao yo et bien mette ensemble avec les lazaristes yo te commencé envahir la Chine dans 17e siècle là. Mais au commencement du 19e siècle, là, ils ont débarqué en grande quantité, malgré l'empereur qui a interdit la religion et chrétien sur le territoire depuis 1724. En 1860, missionnaires ont introduit plusieurs changements en Chine, tant qu'ils viennent avec la médecine moderne, l'école de type européen. Bagay était allé qui était allé contre philosophie Confucius. Philosophie Confucius là il pas d'accord avec bagay ça yo. Vers 1900, quantité missionnaires étrangers ont dépassé 1 million dans pays la Chine. Non seulement quantité moun na te vin semblé une invasion, non seulement quantité ça te vin semblé une invasion. Mais il était la cause en pile l'autre problème tout tant que les traduit la Bible a été traduit mal ça devine créer confusion
et Takoto il y a aussi des Chinois qui étaient convertis. Là, ils étaient convertis, bien c'était toute la famille qui était convertie. Et là, ils étaient convertis, ils étaient comme bah, au manger. Quand ça a été les chrétiens du riz, ou bien chrétiens pour manger. Donc, pour toute raison, ça, Chinois ont été élevés contre les missionnaires occidentaux. Chinois ont été commencé à attaquer les missionnaires étrangers. Détruit toute nouvelle technologie. Ils ont été portés, tacou, télégraphe, tacou, et chemin de fer, ouais, tacou, marchandises illégales, ils ont été portés et tout. Eh bien, c'est nos phobies chinois qui étaient déjà perdus en bataille devant le Japon, qui viennent très, très haut. Courali, ils ont été différents, intellectuels, ils ont été divisés. Il y a une série anarchistes, révolutionnaires, réactionnaires. Pas d'accord avec l'idée confucéiste, tandis qu'il y a un autre groupe qui est d'accord avec syncrétistes intellectuels des confucéistes et avec gouvernement pour faire réforme moderne. Donc, groupe société secrète, les points de la justice et de la concorde, devine changer nom à Union de la justice et de la concorde. Ils ont décidé de combattre l'étranger. Ils ont fait entraînement dans l'art martial. Dans le karaté, boxe, ils ont été utilisés pratiques mystiques pour empêcher de prendre balle. Non seulement ils ont combattu l'ennemi en dehors, mais ils ont combattu l'ennemi en dedans, tout qui c'était gouvernement. L'État est venu pour couler malheureux contre Grenègue, national contre envahisseur. Le premier mouvement, c'était la mort des missionnaires allemands. En novembre 1897. Depuis là, ça, mouvement anti-chrétien a été tourné une machine sans frein. Boxeur a été choisi un slogan à nous renverser les kings, à nous détruire étrangers. Ils ont été écrasés, ils ont été brisés. Créole parler, créole comprendre. Résultat révolte là, et avec rébellion à Telo. Ça qui est arrivé, c'est que la dynastie Qing là, t'as pas le tomber et la République Chine là, t'as pas le proclamer. Alors c'est ça qui est arrivé, et rébellion des boxeurs. Cette réflexion donc sur la rébellion des boxeurs, demain si Dieu veut, nous avons une vidéo spéciale sur Haïti. Hasta luego.